Thank you.
On vient à des choses plus sérieuses. 15 ans maintenant. C'est l'âge où Jean-Christophe digère la fin de son primaire et connut les années les plus tumultueuses de son enfance. Voilà 2 ans qu'il a quitté le Nord, où il collectionnait des résultats scolaires exceptionnels. Rapidement, les camarades de sa nouvelle école le prirent en charge et lui firent découvrir d'autres valeurs que celles de premier de la classe. Il ne nous fut pas difficile de l'initier d'ailleurs. Cela commença par première phase, quitter les premiers rangs, réservés à ceux qui ont décidé d'écouter le professeur. Seconde phase, lui apprendre le chahut, puis l'insolence, voire l'impertinence. Le nouveau camarade ne tarda pas à faire ses preuves au sein du groupe et devint même expert dans l'insolence et l'indiscipline. Les nombreuses heures de colle que nous passâmes ensemble et les nombreux avertissements de renvoi temporaire. Nicolas, mon amour, la fièvre, parle-moi, écris-moi. Voilà 3 jours que je suis sans nouvelles de toi. Ma vie sans toi est un enfer sur cette terre. Et même si tu ne me rêves pas, renvoie-moi quand même mon appareil dentaire. Il a dû rester accroché sur ton beau pull aux verres en laine. Signé ta Françoise. Toujours pas reçu mon appareil bancaire. Et j'ai les glandes de devant qui recommencent. Elle recommence à pousser en avant. J'espère que tu n'as pas jeté ton beau pull aux verres en laine. Signé Françoise. Que j'ai passé avec toi. À 14 ans, je me sens désormais une femme comblée à mon vie. PS, même question pour les jambes, signée Brigitte. C'est vrai que tu aimes les filles qui ont du poil aux jambes, il faut que tu mettes les disques tout de suite, signée Maria Conception.